Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sonfonia. Il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre, ouais, et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. On mettait de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubacar Camara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre république. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il faudrait pas crier à Uaja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission de développement Le Scanner en bande FM sur 89.5. Vous pouvez nous suivre également à la télé sur le bouquet Star Times numéro 779 sur TTH, numéro 113 sur TTN en live sur Kavi TV et groupe Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30. Merci de nous suivre sur notre site d'information Siam Info à Conakry, comme à l'intérieur du pays à Boké, Bofa, Zirekoré, également à Kissidougou sur la même fréquence. Vous êtes également nombreux à nous préférer sur les réseaux sociaux à la sur la 96.5 FM, sur Beta FM, j'allais dire. Vous êtes toujours au rendez-vous à Kiroti, Alan Sanaya, Cimenterie, Kagbelin, jusqu'à dans ma ville minière de Sangaridi. Bienvenue et merci de nous préférer et de nous tenir compagnie pendant 90 minutes. Au menu des sujets à débattre dans le scanner de ce lundi 15 juillet. On en parle encore, le Kusher, la nouvelle drogue qui fait des ravages chez les jeunes dans les différentes villes, quartiers de Conakry. Les autorités peinent à faire face à la propagation de cette nouvelle drogue de synthèse dans la commune de Ratoma. Le mercredi 10 juillet dernier, un père de famille meurt après l'altercation avec un jeune présumé consommateur de la drogue Kusher. Dans cette émission, nous aurons Ahmed Sekou Traoré, il est le président de la délégation spéciale de Ratoma. Avec lui, nous allons parler de la situation que cause cette drogue, mais également, selon un rapport du FMI, vous allez comprendre que le deuxième sujet, FMI Banque Mondiale, l'administration publique doit à EDG 163 millions de dollars d'impayés. Et pourtant, lors d'une conférence de presse animée il y a quelques jours
Ousmane Gawal Diallo, le ministre porte-parole du gouvernement, s'est exprimé sur le problème d'électricité qui affecte depuis quelques mois la capitale Conakry et ses environs. Il a affirmé que 80% des consommateurs ne paient pas l'électricité dans sa communication, ce qui justifierait, selon lui, un pan de problème d'électricité dans le pays. Cependant, parmi ces consommateurs, l'administration publique détient la palme d'or de mauvais payeurs des factures DDG. Enfin, à compter de ce mois de juillet 2024, ils seront 14 000 fonctionnaires à ne plus percevoir leur salaire. À partir de fin juillet, tous ceux qui ne feront pas la biométrie ne pourront pas obtenir leur salaire, a annoncé le ministre du Travail et de la Fonction publique. Selon François Bourouneau, cette décision résulte de la volonté du gouvernement à rationaliser les dépenses publiques, mais aussi à jeter les bases pour une administration performante. Voilà comment se présente le programme de notre émission de ce lundi 15 juillet 2024. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez le groupe Kavi Media dans votre émission Le Scanner. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sonfonia. Il y a de l'eau, pas il, comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubacar Camara, le jeune. C'est parti pour 90 minutes top chrono avec les débatteurs de tous les jours. Je commence à ma droite, monsieur, le grand monsieur de la transversale numéro 6, Dansoko. Bonjour. Bonjour mon cher ami, bonjour aux fidèles auditeurs, bonjour à mes confrères présents ce matin. J'espère que vous allez très bien à travers votre habillement. Oui, merci, merci, voilà. Oui, ou quoi de... Non, c'est bon. C'est comment? Imbibé, inondé ou quoi voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez traversé un marigot avant d'être là? Bon, ça va. C'est la saison, donc voilà, ça va. On fait avec. On fait tout pour pouvoir satisfaire nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent un peu partout en Guinée, mais aussi en dehors de nos frontières. Mohamed Ba, bonjour. Bonjour, cher Mohamed, et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Ah, ça va, alhamdoulilah. Priez que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça. On le souhaite alors, si tout va bien. Yaya Diallo, le sourire est là. L'inspecteur Colombo, il aime, il n'aime pas, je ne sais pas. Mais de toute façon, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ouais. Voilà, les thèmes ont été annoncés. Mais là, encore des cas d'accident à Conakry. Des carambolages, système de freinage, des véhicules touchés. 25, 26 blessés. Des cas de véhicules endommagés, des motos. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, ce qui se passe, c'est énorme. Ça a failli ôter la vie à plusieurs personnes hier. Il faut préciser que c'est l'accident de Hamdallah. Un accident où un camion a carrément compté des véhicules, c'est-à-dire passé en revue ces véhicules-là. Et heureusement qu'il n'y a pas, jusque-là, il n'y a pas, c'est vrai qu'on n'a pas fait une mise à jour de les informations, mais il n'y a pas eu quand même... Il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de cas de mort. Il n'y a pas eu de mort, voilà. Il y a eu des victimes certes, mais il n'y a pas eu de mort. Contrairement aux informations qui circulaient hier avec des spéculations par-ci, par-là, annonçant un nombre de 30 morts selon... Le bilan officiel de la police, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais il y a eu des dégâts matériels très importants. Oui. Il y a aussi eu des cas de blessés graves et des cas de blessés légers, surtout. Tout ce qu'on peut dire ce matin, c'est que prompt rétablissement aux blessés et surtout, cela relance quand même, Mohamed, la question sur cette éternelle... ça relance sur cette éternelle question de manque de visite technique et tout autre, parce que quand vous imaginez, c'est un gros porteur dont les freins lâchent et avec sur une descente. Heureusement, hier, il n'y a pas eu de c'est ce que nous, bon, catastrophe. Nous déplorons ces cas de véhicules endommagés, des véhicules complètement froissés. C'est regrettable que nous arrivions à enregistrer des cas d'accidents toujours, surtout
à Conakry, dans la ville, ici, c'est déplorable. On en parle à l'intérieur, mais on continue d'en parler aussi à Conakry ailleurs. Bah, on en parle, mais ça prouve à suffisance que l'un dans l'autre, ou d'une manière ou d'une autre, les uns et les autres ne prennent pas les responsabilités au premier que l'État. On ne peut pas compter, puisque pour un premier temps, l'État avait interdit quand même la circulation de ces gros porteurs pendant la journée. Donc, ce qui fait que c'était la nuit, à un certain niveau, il y avait cette décision qui a été prise. Où en est-on avec cela? Je crois que c'est important, on ne peut pas mélanger ces gros porteurs-là avec les autres véhicules en pleine journée. Ou... Oui, mais Yaya, c'est vrai qu'on parle de timing, de la période de circulation de ces véhicules, mais quand le système de freinage lâche, sachant que vraiment c'est une défaillance technique, peu importe le temps qu'on leur a accordé pour circuler, le problème il est beaucoup plus technique que réglementaire au niveau de la circulation. Mais tout cela entrait dans le cadre de minimiser s'il y en aura d'accidents, de les minimiser, parce que ça relève ou ça précède tout au plus cet accident d'antan, vous vous rappelez très bien, ce camion aussi dont le frein avait lâché et qui avait ravagé, disons, une bonne partie du marché. Donc c'est pour tout c'est pour minimiser un temps soit peu, puisqu'on suppose que vers 23h ou 0h, il n'y aura pas assez de monde sur les artères publiques. Donc, ça, en cas s'il y en aura d'accident, ça pouvait tout au plus effectivement minimiser les dégâts matériels et humains. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, si vous vérifiez, vous vous rendez compte, effectivement, c'est des gamins. Tout simplement, qui conduisent ces gros porteurs-là. Qui sont au volant. Des apprentis, à peine parfois s'ils ont la majorité. Excités, et quelquefois même certains drogués à bloc, qui continuent à conduire ces véhicules-là. Parce que tout simplement, à côté, la police ne joue pas son rôle. La police, mais aussi les parents, la société aussi a démissionné. Nous sommes dans un état. Oui. Nous sommes dans un état, ce qui fait dire que si les parents démissionnent quelque part, mais l'État ne doit pas démissionner. Parce que de toute façon, nous sommes dans une société organisée, donc ce qui sous-entend à un certain niveau, l'État doit pouvoir prendre sa responsabilité. Ces gens la passent à tout bouchant dans les carrefours. La police doit pouvoir voir effectivement, la nature, en tout au plus, le visage de ce qui conduisent ces différents gros porteurs-là pour pouvoir effectivement comprendre si effectivement ce sont effectivement des chauffeurs qui sont des professionnels. Oui. Mais on suppose que c'était laissé aller, ce qui dénote effectivement la déliquescence de la police nationale, notamment celle routière, ce qui fait que quelquefois, pas plus tard, hier ou avant-hier, on s'était croisé avec un gamin ici au niveau de la base militaire ici, mais vous prenez vos têtes. Oui. C'est lui qui connaît. Il était jeune. Non, mais c'est incroyable. Très jeune. C'est incroyable. Incroyable. Donc, c'est des gens comme ça qui prennent n'importe quoi et qui s'asseyent derrière les volants. Bonjour les dégâts. Oh, bonjour les dégâts. Ouais. Et malheureusement, des familles sont endeuillées. Malheureusement, des gens gardent de la fond de l'économie. Des millions et des millions achètent des véhicules. Et en quelques secondes, un camion vient monter sur tout ça. C'est déplorable dans ce cas. C'est très déplorable. Et parce que la question, quand même, liée à l'accident dans les grandes villes, maintenant, là, comme Conakry, précisément, même si c'est dans d'autres pays, ça se passe. Mm-hmm. Mais chez nous, quand même, c'est lié aussi à assez de causes. On peut en citer, par exemple, l'excès de vitesse. On peut en citer aussi le manque d'entretien de la voiture. On peut en citer le non-port de la ceinture de sécurité. Et puis la consommation des stupéfiants, l'alcool au volant, la drogue au volant. Il ne faut pas oublier aussi la mauvaise occupation des artères, de la circulation, où des mototaxis sont garés n'importe comment, les taxis garent où ils veulent. Oui, c'est pour cela déjà, sur cet état de fait ou d'observation que tu viens de faire, j'aimerais lancer quand même un appel à l'État. Il ne faudrait pas que la partie sous-dessous du pont de Bambeto qui est ouvert, il ne faudrait pas que les taxis motards viennent stationner là pour encore obstruer la circulation. C'est très important de le dire parce que ça se voit à Kagbelin, ça se voit dans d'autres parts. Ne vous fatiguez pas de le dire cela va se faire. Nous avons vu au niveau de certains marchés, que ce soit à Sofonia, que ce soit en Cosinque ou je ne sais où, on a chassé les femmes plusieurs fois, en tout cas les étalagistes. Mais ils reviennent toujours. Parce qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de rigueur. Il faut souvent le dire, il faut le répéter. Il faut jamais arrêter de le répéter, c'est important. Ça peut tomber dans de bonnes oreilles comme ça peut tomber dans des oreilles sourdes. Donc ce qui est important, c'est de le rappeler.
Pour ceux qui arrivent actuellement, encore une fois de plus, on parlait ici de notion ou de temps par rapport à la circulation liée aux gros porteurs. Oui. Mais cela n'est plus à l'ordre du jour, si je me rends compte. Oui. Sinon, ceux qui arrivaient n'allaient pas arriver. Oui. Mais très malheureusement, la police nationale aussi, la police routière, très particulièrement, ils ne jouent pas leur rôle totalement. Parce qu'ils voient quand même que ces gamins... Ce que je disais la dernière fois, c'est des gamins, en fait, qui ne font jamais l'école, l'auto-école des beaux. Je ne parle pas des beaux, mais de l'auto-école publicité. En général. Pas de publicité, mais l'auto-école en général. C'est une histoire de famille et d'héritage, où le papa a été chauffeur, il envoie automatiquement son fils de 14 ans, 15 ans, qui ne veut pas aller à l'école, il le fait monter espérons dans les groupes. Que ça et c'est ce qui arrive, et bonjour les dégâts, et bonjour les dégâts. Tant que les décisions solides, les décisions draconiennes ne sont pas prises à ce niveau pour que en fait, la livraison aussi du permis soit de rigueur et vu l'âge aussi, parce qu'il faut compter aussi sur la conscience et le développement physique de la personne pour pouvoir le délivrer un permis. Okay. On espère que les autorités de la police nationale, les autorités de la 39, on va essayer de progresser, sinon on risquerait de prendre beaucoup plus de temps sur ce sujet d'ailleurs qui n'était pas prévu, mais l'impossible, nul n'est tenu. L'actualité nous obligeait de brocher cet élément avant de continuer. Je pense que les autorités devraient aussi prendre des décisions de la façon par laquelle on essaye d'insister dans la lutte contre la drogue. On devrait faire la même chose au niveau de la circulation routière. D'ailleurs, parlant de drogue, on en parle encore, comme le disait précédemment, je le disais précédemment, l'eau couche, la nouvelle drogue qui fait des ravages chez les jeunes dans les différentes communes de Conakry, voire même à l'intérieur du pays, parce que les autorités, les parents et la société peinent à faire face à la propagation de cette nouvelle drogue de synthèse. Dans la commune de Ratoma, je le disais à l'entame que le mercredi 10 juillet dernier, à Ratoma, il y a eu un père de famille qui a perdu la vie après l'altercation avec un jeune présumé consommateur de la drogue couche dans cette émission. Et c'est maintenant, nous avons en ligne le président de la délégation spéciale de Ratoma qui va essayer de nous parler un peu de cette situation du côté de Ratoma, la consommation de la drogue. C'est Ahmed Seko Traoré est en ligne et va nous parler de la situation de la consommation de la drogue et les mesures prises par les autorités du côté de la commune de Ratoma pour nous dire quelles sont les mesures prises, quels sont les moyens mis en place afin de lutter mieux contre la consommation de la drogue. Mais d'ici là, entre nous ici, en attendant de le reprendre parce qu'il était avec nous il y a un instant, Yaya Diallo, la consommation de la drogue dans nos quartiers constitue aujourd'hui un problème majeur. Il est là, on me signale au niveau de la technique qu'Ahmed Seko Traoré, le président de la délégation spéciale de Ratoma, est en ligne. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur Traoré, bonjour. Monsieur Traoré, il est parti, j'espère qu'il va revenir. Yaya, je me tourne vers vous pour parler de cette situation qui n'a que trop duré. On parlait il y a à peine une semaine dans ce studio de cas de drogue à l'aéroport de Conakry. Il y a quelques jours, on en parle à l'intérieur du pays. Cette fois-ci, on parle encore d'un jeune du côté de Ratoma qui a été victime, qui a causé la mort d'un parent. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Ahmed Traoré, président de la délégation spéciale de Ratoma? De l'énergie, on en a besoin de votre part. On ne vous entend pas bien. Oui, sachez quand même que nous sommes au téléphone. Ce n'est pas assez facile à explorer. C'est vrai, c'est vrai. Je ne dirais pas toutes mes condoléances, mais du côté de Hamdallah, avant de toucher ce sujet important, il y a eu encore dans votre zone un accident qui a fait vraiment perdre, je ne dirais pas perdre de vie, mais il y a eu des cas de blessés et beaucoup de véhicules et de motos gâtés. Oui, bien sûr. Vous constaterez que c'était vraiment regrettable parce que les abords des routes, les emprises sont toujours occupés. Nous ne cessons jamais à sensibiliser les citoyens à rentrer dans les marchés, à rentrer dans les boutiques. Oui. Je ne sais plus à quoi servent les boutiques et les marchés. Et les gens ont quitté les marchés et les boutiques pour être dans les emprises de la route. Et lorsqu'il y a des accidents et constatons qu'il y a des dégâts, ce qu'il faut vraiment éviter, déplorer. En tant qu'autorité de proximité, nous attendons afin que la pluie cesse un peu pour qu'un dégagement réel soit fait, malgré que nous continuons déjà la sensibilisation dans le domaine
de la salubrité et de l'hygiène. D'accord. Est-ce qu'on peut dire par là, c'était presque l'une de vos décisions dans le cas au niveau du marché de Taouya, c'est presque l'un des actes qui, en tout cas, qui vous a motivé cette décision de faire entrer tout le monde dans les marchés? Mais bien sûr, ça a toujours été ma préoccupation, parce que ça fait mal que nous perdions des choses, des biens, des personnes de façon chère à nous dans les situations d'accident. Mais on préfère attendre qu'il y ait un accident pour faire des sacrifices et les prévenir. Et je crois que la commune de Gatoma, dans la dynamique et dans la dynamique engagée, dans la large vision du président de la République, nous ne manquerons pas de travailler sérieusement afin que les emplois soient dégagés. C'est pourquoi le marché de Taouya, le marché de Kapolo, qui sont les deux grands marchés que nous avons, ont toujours été notre préoccupation afin de réorganiser et permettre au grand nombre de femmes qui sont aux abords des rails, que vous avez vu, le rail a tout dernièrement dérapé au niveau de Kipé. Oui. Et ça a fait assez de bon. Heureusement pour nous, ça n'a touché personne, ça n'a fait que des dégâts matériels. Encore aujourd'hui, c'est les véhicules qui font le dégât matériel. Je crois que nous devons prendre conscience afin d'intervenir. Donc mon rôle en tant que maire est de dégager les abords des routes, les emprises des routes, les emprises des rails pour sauvegarder la vie et la santé de nos citoyens de partout. Alors, monsieur le président, je crois que je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a quand même un préalable qui s'impose. Celui de la sensibilisation et de la communication. Est-ce que vous l'avez fait? Ce qui s'est passé hier ne suffit pas pour sensibiliser quelqu'un. Non, mais écoutez, c'est de votre rôle en tant que président d'une délégation spéciale. Au-delà de tout, s'il vous plaît, monsieur le président, laissez-moi vous poser la question. Au-delà de tout, il est de votre mission d'aller vers ces citoyens-là, les sensibiliser avant de sanctionner qui que ce soit. Mon cher ami, sachez quand même que nous ne sommes pas des profs à la matière. Nous sommes toujours en train de communiquer. Les radios, les télés, mais on ne souhaite pas. Mais ce qui vient d'arriver peut aussi servir à quelqu'un qui est conscient et qui est responsable de se dire qu'il n'a plus besoin d'attendre qu'on vienne me racler. Je vais quitter de moi-même. Mais quand les gens voient, hier par exemple, Amdalaï, malgré l'accident, les gens étaient assis. Mais même le passage, pour sceller le passage à ceux qui doivent trotter, on ne pouvait pas le faire parce que les marchands étaient assis. Simplement à observer, à regarder comme si rien ne s'était passé. Il y a des faits qui doivent sensibiliser, qui doivent faire prendre conscience. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire un peu? Parce que quand vous dites que ce cas d'accident à Hamdallah serait une leçon, alors que vous-même, vous êtes en train de dire que ça n'a presque pas affecté. Qu'on n'a presque pas fait quoi? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire sur la question de Yaya qui dit que c'est à vous de prendre des mesures, notamment des mesures de sensibilisation? Vous dites que ce cas à Hamdallah serait une leçon, alors que dans les mêmes propos, vous dites que ce qui s'est passé à Hamdallah, malgré l'accident, qu'il y a eu encore des gens qui obstruaient quand même la route. Mais attends, mon cher ami. Quand tu es un communicateur, dans votre propre communication, vous avez oublié tout de suite à savoir que vous êtes en train de me contredire sur ce que je sais et sur ce que je suis en train de faire. Personne ne vous a contredit. Nous avons parlé. Nous sommes allés au marché de Taouya. Dire aux femmes, par exemple, laissez-nous organiser avec vous l'intérieur du marché pour permettre aux autres femmes de rentrer et quitter les abords de route. Elles se sont opposées à nous. C'est une sensibilisation. Nous sommes allés aux abords des rails pour demander aux gens de quitter les abords de rails. Ils ne l'ont pas entendu. Quand il y a un acte qui se fait, donc, qu'on prévenait, ça doit donc servir pour dire attention. Donc, le maire me sensibilisait par rapport à ça. C'était de prévenir ça. C'est en cela que je parle. Nous parlons déjà. Nous sensibilisons déjà. Nous les motivons à quitter déjà. Mais lorsqu'ils ne le font pas, et qu'il y a un cas sur lesquels on sensibilise, arrive, je crois que les dieux doivent les permettre de tirer les leçons. Au cas contraire, nous sommes obligés de passer à la sanction. Et vous me dites de ne pas sanctionner d'abord, de sensibiliser. Parce que vous aimez faire plaire aux gens. Vous aimez simplement en faire entendre aux gens ceux qui veulent entendre sans raison. Non,
Monsieur le Président, moi je pense que c'est bien, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup de travail qui doit être effectué en la matière. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Des sensibilisations, on en voit, des structures qui en parlent. C'était juste en entrée en la matière par rapport à cette. On va parler de ce sujet beaucoup plus. On va parler beaucoup plus de ce sujet. Oui, une question très importante. Monsieur le Président. Dans les autres communes, souvent on voit des gardes communaux qui déambulent un peu entre les véhicules, sauf qu'on en voit moins du côté de Ratoma. Ah, mais bon, je crois que vous avez la mauvaise volonté de suivre ou d'entendre. Regardez le premier communiqué que j'ai fait pour interdire les stationnements au centre émetteur, les lignes du centre émetteur et de Kakingo, qui a été suivi par le garde, municipal. Je crois qu'aujourd'hui, parmi les acteurs, la commune de Ratoma est l'une des communes actives qui fait bon usage de sa garde municipale. Vous pouvez vérifier qu'elles sont bien organisées, elles sont bien suivies. D'accord. Regardez, suivez. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on parle de ce sujet, en tout cas, qui fait l'objet de votre présence chez nous au téléphone ici. C'est la consommation de la drogue. Les jeunes, quelle place occupent les jeunes aujourd'hui dans vos programmes au niveau de la commune de Ratoma? Vous savez, la nomination des délégations spéciales par le président de la République a tenu compte aussi du rôle qu'a joué les collectivités dans tous les domaines de développement, notamment l'occupation des jeunes, et l'emploi, mais aussi l'information. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un programme local qui s'appelle à développer des activités sportives et éducatives. Ça permet un peu de changer la mentalité des jeunes à travers des activités de loisirs, de récréation. Parce que nous avons constaté aujourd'hui que les jeunes n'ayant pas des occupations se sont occupés à la consommation de la drogue. Et nous sommes en train non seulement de sensibiliser, mais aussi ensemble avec eux, pas que nous, mais ensemble avec eux, faire des réflexions, développer des actions susceptibles à les préoccuper. Pour éviter un peu des stress. Parce que nous savons, moi, en tant qu'éducateur, je sais, dans la vie associative, le stress compte beaucoup dans l'occupation, dans le manque d'occupation des jeunes. Donc, nous faisons la sensibilisation. Mais au-delà de la sensibilisation, nous allons traquer ceux qui vont refuser de s'améliorer, ceux qui vont refuser de changer de comportement, parce que nous ne pouvons pas permettre de perdre des jeunes ou que des jeunes que nous perdons aussi nous fassent perdre d'autres choses dans nos communautés. D'accord. Oui, Yaya. La consommation de la drogue, notamment, couche bas de l'aile aujourd'hui au niveau de la commune de Ratoma. La montée, elle est exorbitante, j'allais dire. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Parce que déjà, les anciens clans refont surface. Oui. On a vu du côté de Moudoula où des groupes de gangs se sont affrontés, où chacun réclamait la paternité d'une jeune. Incroyable. Alors que nous sommes dans une république. Oui, mais tout ça est parti parfois de votre façon de communiquer, les radios et les autres, parce qu'il faut en tenir compte que c'est dans la rigueur. Incroyable. Nous sommes en train de travailler afin que, vous savez, une maladie, la rentrée d'une pathologie après et la sortie, le temps, les cas ne sont pas les mêmes. Ça rentre plus vite, mais ça sort difficilement. Puisque nous sommes en train de travailler avec les jeunes sur beaucoup de sujets, nous pensons qu'au fur et à mesure que nous progressons, les choses vont changer. N'oubliez pas que les délégations spéciales nommées par le président viennent de prendre la responsabilité qu'ils ne font même pas 100 jours, ils ne font pas encore 3 mois. Donc nous sommes en train de travailler progressivement, mais nous suivons à la loupe. Aujourd'hui, la situation est alarmante, c'est vrai que vous venez d'arriver, mais est-ce qu'au-delà de ces mesures que vous annoncez, il n'est pas aujourd'hui important d'envisager d'autres? Mais je vais vous dire par exemple, aujourd'hui nous sommes en train d'organiser les jeunes dans leur propre quartier. Les jeunes sont en train de s'organiser dans leur propre quartier grâce à notre collaboration afin qu'eux-mêmes ils puissent dénoncer, se sensibiliser, se parler à l'addiction qu'ils suivent actuellement. Quand vous regardez les crimes qui se commettent dans les quartiers, parfois les jeunes eux-mêmes arrivent à s'organiser et à dénoncer ceux qui le font. Et ça, c'est une bonne chose. Ça prouve que les jeunes ont pris conscience et qu'elles sont disposées à changer de situation.
D'accord. Mais par rapport, vous avez parlé tout à l'heure de la communication des médias, le mode de communication qui ne vous rassure pas tellement. Est-ce que vous avez essayé de mettre une stratégie en place afin d'impliquer certains médias au... S'il vous plaît, Monsieur Traoré, s'il vous plaît. Je crois que ça serait super intéressant que vous nous laissiez le temps aussi de poser des questions, s'il vous plaît. Voilà. Je dis, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire aussi d'impliquer, parce que la communication, c'est que peuvent faire les médias sur une ligne donnée est une réalité, mais ce que peut demander aussi au niveau de la commune pour l'implication des médias, des professionnels de la communication, pour faire une synergie d'action dans le cadre de la lutte contre la consommation de la drogue, pourrait encore donner de bons résultats, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Tu veux maintenant parler? Avec plaisir. Moi, je dirais que nous travaillons, nous faisons de notre mieux, nous avons une stratégie de communication. Et ce n'est pas qu'autour d'un seul sujet, c'est autour d'une multitude de sujets. Mais cependant, vous aussi, en tant que communicateur ou communicant, vous devez aussi voir dans les sujets comment aborder ceux-là qui sont dans les communautés et qui doivent être dénoncés, qui doivent être touchés de façon dure pour qu'ils comprennent qu'ils sont vus d'un autre œil de leurs citoyens. Mais vous abordez toujours le sujet sur l'état de celui qui doit agir, de l'autorité, de l'état, de l'état. Vous savez, c'est comme les pères et les enfants. Le père a son rôle, la mère a son rôle, les enfants ont leur rôle. Mais si vous ne dites pas aux enfants que ce que vous faites, il faut arrêter, vous dites toujours non, les pères sont irresponsables, le père est irresponsable, le père est responsable. Vous cachez l'attitude des enfants. Vous aussi, en tant que communicant, les enfants doivent comprendre que vous les voyez et vous les dites, écoutez les jeunes, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous devez arrêter ça. Mais vous avez toujours peur d'aller dans ce sens, mais vous vous attaquez de l'autre côté et vous réjouissez les jeunes dans leur position de faire du mal. Et c'est ce qui est grave. Monsieur Traoré, vous savez, depuis le début de ce mois, je pense que c'est la troisième ou quatrième fois que nous abordons abordions le sujet lié à la consommation de la drogue. Mais suivez pas les médias, c'est ça. Monsieur Traoré, si vous n'acceptez pas qu'on se parle, qu'on s'écoute, ça va être difficile de se comprendre. On parle, vous parlez, ça va être difficile de se comprendre. Acceptez de souffrir de nous écouter, Monsieur Ahmed Traoré. C'est que Traoré, vous pouvez nous écouter. On donne le temps, vraiment l'importance à ce que vous dites. Vous voulez que je vous laisse continuer après, je reviens, ça vous va comme ça? Je vais être à votre écoute. D'accord. Je voudrais vous dire quelque chose. Peut-être vous aurez encore le temps de répliquer. Il n'y a pas de souci. On a le temps qu'il faut. Qu'est-ce que je viens de dire? Je dis. Pendant rien que ce mois, ou depuis la fin du mois de juin, on a abordé plusieurs fois le sujet lié à la consommation de la drogue en Guinée. Nous avons parlé de ce qui a été fait au niveau de l'aéroport international de Conakry-Bessia comme effort de la part des autorités. Nous avons touché, je dirais pas de l'irresponsable, mais la démission des parents par rapport à la consommation de la drogue. Les jeunes qui se tuent à travers la consommation de la drogue. Aujourd'hui, si nous allons vers vous, c'est parce que vous avez une responsabilité en tant qu'une personne morale à la tête d'une commune très importante qui est la commune de Ratoma. Donc si on vient vers vous, ne pensez pas que nous venons juste pour dénoncer ce qui ne marche pas, mais aussi ensemble avec vous qu'on parle de ce qui peut aller en connivence ou en synergie avec les médias. Vous êtes là, Monsieur Traoré? Je voudrais vous dire merci pour cet effort et je crois que cet échange que nous avons qui est très énergique, effectivement, la raison est que chacun d'entre nous puisse voir ce qu'il y a lieu de faire, c'est comment il faut la déverrer. Maintenant, je voudrais encore dire merci pour tout ce que vous venez d'énoncer, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un devoir. Mais il y a aussi la réalité de collectivité. Quant à la collectivité, il faut carrément descendre dans les quartiers, rencontrer ces jeunes, leur demander quel est le réel problème qu'ils ont. Pourquoi il y a ça? Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il y a le côté politique dans le débat. Il y a le côté du haut niveau dans le débat. Ça, je suis d'accord avec vous. Vous parlez de l'aéroport, vous parlez du ministère, vous parlez de cette image qui est très, très différente de la collectivité. C'est-à-dire, c'est la partie base de la chose. Donc, à cette base, il faut revenir, écouter, voir les jeunes en personne, discuter avec eux, parler. Ça, c'est important parce que moi, je suis à la base. En tant que maire, donc ne pensez pas que j'aborde le sujet sous un angle de ne pas vous permettre l'opportunité
de débattre de plus, mais plutôt c'est pour vous permettre de comprendre que il y a le côté macro, il y a le côté micro. Je voudrais que nous abordions le côté micro et très très micro d'ailleurs. Donc je vous remercie pour tout ce qui est fait, c'est à encourager, vous êtes à féliciter et je crois qu'il y a beaucoup encore à faire, surtout à la base. Nous... Venez pour que vous partiez dans les quartiers, discuter avec les jeunes dans les quartiers. Ça, mais cette discussion avec les jeunes, vous pensez que c'est avec les médias ou avec les personnes qui ont de pouvoir comme vous qui devraient être là et que les médias vous accompagnent, qu'on essaie de relayer et pouvoir encore communiquer mieux à travers votre stratégie parce que ça ne relève pas de nous de sensibiliser ces jeunes dans les quartiers. Ça relève de vos compétences, sauf si je me trompe. Les trois sont possibles. Vous pouvez aller, vous, et ressortir les vérités réelles. Nous devons aller parler avec eux. Nous devons aller à deux, parler avec eux pour que nous soyons à trois. Alors, quelle est la priorité? La priorité des priorités afin de lutter contre la consommation de cette drogue aujourd'hui dans nos cités. Les jeunes maintenant, dans les quartiers, dans les cabarets, dans les cabines, allez les écouter, découvrez les sites, connaissez les sites, connaissez les dangers des citoyens que vivent les citoyens et le danger que vivent les jeunes en consommant. Vous gardez cette information. Vous venez vers nous. Et après, quand nous allons agir, votre raisonnement dans le débat, dans la communication, sera très, très haut. Peut-être que je l'ai raté. Hein. Est-ce que depuis que vous êtes à la tête de cette commune, vous avez rencontré des jeunes pour faire de telles sensibilisations, vous-même ou votre délégation spéciale de Ratoma? Tous les jours. Pardon? Tous les jours. Alors, dans ce cas, est-ce que vous êtes parvenu au moins quand même à recenser, ne serait-ce que quelques sites? Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, à date, vous en avez recensé combien, si on peut le savoir? On a quatre. Oui. Et ces sites sont où? Vous avez été à Demoudoula? Non, ça, je ne peux pas quand même. Vous n'allez pas nous cacher ça quand même? Ce n'est pas un truc. Au moins. Venez à la commune. Vous ne vous cachez rien, mais venez à la commune. Venez à la municipalité. Et là, nous vous donnons l'opportunité au moins de nous dire ce qui s'est passé entre... Les jeunes vous ont dit quoi? Qu'est-ce que ces jeunes-là vous ont dit? Les jeunes vous ont dit quoi? Et qu'est-ce qui les pousse à consommer de la drogue? Qu'est-ce que ces jeunes ont dit? Et qu'est-ce qui les pousse à être dans les underground? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mais je viens de vous dire, c'est le stress. Je viens de vous parler du stress. Le stress, manque d'emploi, le stress, des soucis, des ceci, de cela. Et qu'est-ce qui peut dégager le stress? Et vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à cela? Les jeunes ont dit, on est stressé, on n'a pas de boulot, on ne va pas à l'école. Maintenant, vous avez prévu quoi? Je vous parlais de l'emploi, je vous parlais de la création d'emplois. Mm-hmm. D'accord. À la base, l'emploi dans les collectivités, je vous parlais de ça. À peine dans l'introduction, parce que ça, c'est mon domaine d'intervention. La création des emplois? Des jeunes, oui. Pour les jeunes, oui. Ça, c'est mon domaine de prédilection. Et aujourd'hui, vous avez pensé à quoi pour commencer à créer? Parce qu'il n'y a pas de mine à Conakry. Vous avez trouvé quoi comme emploi pour ces jeunes? Les marchés? Non, ce n'est pas que des mines seulement qui est... Oui, on parle de Conakry, là. Mais il y a les métiers, non? Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser la signature d'un protocole d'accord avec l'ASCAD pour la formation professionnelle, pour la formation en compétences vie. Pour leur permettre d'aborder des problèmes de nos communautés. Non, mais SCAD, quand même, c'est un projet qui existe depuis des années maintenant. C'est pas vous qui allez... Mon cher ami, les radios existent depuis très longtemps. Mais avec le temps, avec les personnes, avec les philosophies, les choses évoluent. C'est vrai. Ahmed Sekou, aujourd'hui, par rapport à la création d'emplois, c'est vous qui l'avez dit. Et sauf que jusque-là, moi, je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce que vous appelez par exemple? Ce que nous avons commencé, on ne peut pas dire que c'est fini aujourd'hui. Ce que nous avons commencé, on ne peut pas dire que nous avons atteint l'objectif aujourd'hui. Il y a l'effet, il y a le résultat, il y a l'impact. Vous voulez qu'on fasse quoi d'être ce qu'on a commencé? On n'a même pas l'enfant qui n'est pas encore. Vous êtes au point de départ, c'est ça? Nous sommes au point de départ parce que nous venons d'arriver. D'accord. Et donc, cela veut dire que d'ici le 31 décembre, la fin de la transition, probablement, cela pourrait vous permettre de faire quelque chose? Vous confondez vos communications, je crois que je commence à parler. Merci beaucoup Ahmed Traoré de nous accorder ce petit temps. Merci bien, merci de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous pour
pour cet échange. Oui. Merci à nous aussi pour l'opportunité. Bien sûr, c'est un plaisir pour nous, hein, pour cette disponibilité. J'espère que vos portes restent toujours ouvertes pour nous et que la prochaine fois, c'est avec plaisir qu'on va vous recevoir dans notre studio. Merci Ahmed Traoré. Je rappelle qu'il est le président de la délégation spéciale du côté de Ratoma. Alors, vous êtes satisfait? Pas du tout. De la communication de notre cher... Pas du tout, pas du tout. Je l'ai dit, je l'ai dit directement. Non, pas du tout, n'exagérez pas quand même. Écoutez... Qu'est-ce que vous voulez entendre? Écoutez, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il dit qu'il va donner du travail quand même aux jeunes de Ratoma. Écoutez, mais il ne dit pas quel type de travail il va leur donner. Il a dit qu'il les a rencontrés aussi dans la lutte contre la consommation de la drogue. En fait, vous et moi savons pertinemment que ce n'est pas là qu'il faut commencer. C'est que la communication d'hommes politiques et la communication quand même par rapport aux stratégies mises en place ou qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre la drogue au niveau de la commune de Ratoma. En tout cas, moi, je n'ai pas écouté Ahmed Sékou Traoré qui aurait aujourd'hui des arguments quand même pour lutter contre peut-être cela. Peut-être que vous n'avez pas entendu ce que vous avez souhaité entendre, c'est tout. Alors, dites-moi bon, ce que vous avez compris. Moi, j'aimerais quand même rajouter quelque chose. Dans ce cas. Et c'est que Ratoma se reconnaît quand même en ce chef, Ratoma a perdu. C'est ça la vérité. C'est-à-dire ? En fait, ils ont échoué. Wow. Parce que déjà, quand vous êtes à la tête d'une commune, ou bien vous êtes à la tête d'un pays, quel que soit en fait le pouvoir que vous aviez, ayez le sens de l'écoute. C'est très important. Mais si déjà vous avez la phobie de la presse, et puis en quelque sorte, je ne dirais pas qu'il y a eu de l'orgueil, mais il y a eu assez d'exagération de son côté. C'est ça la vérité. Il se permet de comparer la presse en fait à un père de famille qui donne des leçons à ses enfants. Ou je ne sais pas quoi. Non! C'est pas la même façon qu'on gère, que l'on gère sa famille, qu'on peut gérer la presse avec les relations entre l'État, la presse et la masse. Non, pas du tout. Ok? Et puis, il doit se rendre compte qu'il a eu ce poste à travers une nomination. Il n'est pas un élu. Donc, il a un bout de chemin à faire. Il n'est pas maire. Voilà. C'est qu'il comprend. Voilà. Oui, mais il a une délégation de pouvoir du maire. Il a une délégation. Il est différent d'un maire. Oui, mais on parle de nom. Il a la délégation du pouvoir du maire. Ça, il faut le noter aussi. Oui, mais ce pouvoir, je pense qu'il doit être utilisé par lui intelligemment. C'est important. Il doit écouter les gens. C'est ce qu'il est en train de faire. Non, pas du tout. Il a une phobie de la presse. Regardez sa réaction. Moi, je n'ai rien contre lui, mais sa communication quand même n'est pas bonne. C'est ça la vérité. Il faudrait qu'il le chasse. Donc, quand vous gérez une commune de plus de 100 000 ou 200 000 personnes, de 200 000 âmes, il faut savoir parler à la presse. Parce que ce n'est pas à nous. Il nous met au travail comme si c'est ceci, c'est cela. Non. Mais depuis quand est-ce qu'une fois, il est venu ici pour faire passer déjà un message à l'égard des jeunes ou à l'égard des femmes, à ce qu'il doit faire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il parle de sensibilisation. Mais non, c'est les radios qui en parlent tout le temps. Parce qu'il y a des dérives. Lorsqu'il y a des manquements, nous en parlons. Donc, ce n'est pas à lui de nous donner des leçons quand même. Voilà, nous lui posons des questions, donc qu'il répond à ces questions. Nous avions reçu ici à un moment donné le président de la délégation de Bessia, non? Mais c'est un monsieur, ouais. Vraiment, avec bonté, avec largesse, et puis avec, je dirais, assez d'intelligence, modestie. Il a répondu à des questions, sans se plaindre. Ok, et puis il a compris nos préoccupations parce que nous sommes en fait l'intermédiaire entre la masse, le peuple et l'exécutif. Donc je pense bien qu'il ne faut pas tomber un peu dans la démagogie du pouvoir et lorsque nous sommes avec les chefs pour leur faire entendre ce qu'ils veulent entendre, dire oui, non chef, moi je peux gérer ceci, je peux faire cela. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève ce monsieur, mais j'ai l'impression qu'il y a assez d'orgueil dans sa communication. Donc, c'est un conseil que je leur amène. Peut-être c'est votre vision, c'est votre façon de voir. Ça peut ne pas être le cas. Ainsi, oui, peut-être je c'est le ce dis, que vous pouvez tirer de sa communication. Je le juge à travers sa communication, non espérons à, que ce à, n'est à, pas à la ça. Connaissance, voilà, à une connaissance de sa personne, parce d'accord. que je ne l'ai jamais, comment dirais-je, côtoyé. Mais ce que je ressens, il est aujourd'hui le président de la délégation de Ratoma. Il doit être plus humble, plus réceptif aux questions. C'est très important. Il faudrait qu'il y ait le sens de l'écoute.
Donc, il accepte cela. Je l'ai connu mais, bien avant qu'il voilà, ne soit la tête de cette commune. Je l'ai connu quand même, sans orgueil, très accessible dans les temps. Il faut le dire, ce n'est pas pour le taper ou bien ce n'est pas pour le jeter le propre. Mais tout compte fait, dorénavant, il pourra quand même vous revoir un peu, faire mieux. Sinon, ce matin-là, il n'était pas la communication n'était pas au rendez-vous. Non, la seule chose que moi j'ai pu remarquer, il y a un manque d'énergie dans sa façon de parler, alors que c'est quelqu'un qui a de l'énergie dans sa façon de parler. Mais bon, il nous a dit que c'est au téléphone, c'est différent, je ne sais pas. Vous le savez, quand on parle de la drogue couche, c'est que c'est une chaîne. Nous l'avions dit, nous l'avons dit et nous le dirons. Parce que nous continuons dans ce sens-là. Il a été très important de votre côté de rappeler que cela fait environ 5 numéros ou 6 consacrés uniquement à cette question liée. Est-ce qu'on le faisait pour lui? À cette question liée aux différentes drogues. Parce que pas besoin de rappeler ça. Parce que nous savons pertinemment que cela relève quand même de notre. Voilà, de comprendre aujourd'hui ce qui ne va pas, de toucher un peu du doigt à ce qui ne va pas, interpeller des personnes ou des entités qui sont à interpeller et pour qu'on puisse trouver solution. Mais nous, médias, ce n'est pas nous qui trouvons des solutions. Nous, tout ce que nous faisons... Monsieur le président de la délégation spéciale nous dit qu'il faut descendre sur le terrain et jouer le rôle. On ne peut pas, parce que nous ne sommes pas investis de ce pouvoir. On n'a pas de moyens anti-drogue. Pour le faire. Anti-drogue. Voilà. Il faut aussi, c'est très important de le rappeler. Vous le savez, être dans des discours et gérer font deux. Ouais. Nous avons connu Ahmed Sékou Traoré sur le terrain, dans la société civile, voilà, avec des cascades d'interpellations. On avec a encore des vidéos. Avec le RPG. Le RPG, donc dans la sphère politique, évidemment, tout. Mais maintenant, donc, sur le terrain. Vous le savez, c'est très facile de critiquer, mais très difficile de faire normalement ce que vous critiquez. Oui. Voyez, gérer et tirer à boulet rouge sur la personne qui est en train de gérer, c'est deux choses carrément différentes. Diamétralement. Je le comprends très bien. Vous savez, quand vous n'avez pas la stratégie de lutte contre la drogue, surtout couche pour la commune de Ratoma, c'est un peu complexe. Vous le savez, parce qu'il y a la circulation de la drogue. Il faut d'abord savoir, j'ai fait exprès de poser cette question par rapport au recensement des sites aujourd'hui. C'est lui qui l'a dit. Il dit qu'il y a des sites où on consomme de la drogue tout et autres. Donc ça veut dire que la sanction ou la punition devient facile. Ça devient facile parce que si vous savez réellement le mal dont souffre quelqu'un ou les maux dont souffrent des personnes, donc ça veut dire déjà que le diagnostic est posé. Et il suffit juste maintenant de trouver le remède pour que quand même la santé revienne. Et de ce côté-là, si ces sites-là sont connus, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un premier temps, je crois que parce que l'urgence est là, il faut agir, il faut les démanteler. C'est tout ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut mais dire, si on nous dit non, vous avez ce qu'on appelle en droit main dans la patte, c'est que c'est un terme terre-à-terre que je suis en train de dire, ce qu'on appelle flagrance. Le flagrant délit, par exemple, vous venez trouver quelqu'un main dans la patte, c'est vrai qu'il faut passer au jugement pour sanctionner, mais en ce qui concerne par rapport à cette question liée à la drogue, je crois que le mieux pour que les autres tirent des leçons de ce qu'on fait, c'est de sanctionner directement parce qu'il y a l'urgence en la matière. Aujourd'hui, le besoin sur le terrain nous amène quand même à agir parce que la drogue continue de faire des ravages, surtout à Ratoma. De l'autre côté, on consomme. Mais ici, là, ça veut dire que la consommation est suivie des actes qui sont posés. Parce que cela juste, ça fait deux semaines qu'il y a eu deux cas de mort. Tous ces cas-là sont un peu liés à la consommation et de la drogue. Dans quelle commune? C'est Ratoma. Le premier cas, c'était concernant cette dame qui avait été étranglée, égorgée. Et le deuxième cas, c'est concernant cette boule qui a conduit réellement à l'altercation et finalement, mort s'en est suivi. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, je crois, c'est un conseil que je donne à mon frère Ahmed Sékou Traoré, c'est de s'armer aujourd'hui d'arguments pour descendre sur le terrain. Les interpellations ou des sensibilisations dans ce sens-là, je crois qu'on en a
dit beaucoup. Oui. Il y a eu des saisies de drogue, il y a eu des personnes jugées, interpellées par-ci, par-là, condamnées. Si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Je crois que le mieux, c'est de continuer à sanctionner. Ouais. Parce que peut-être que des récalcitrants, des récidivistes pourront ou pourraient tirer des leçons par rapport à ces différents cas qui existent déjà ou qui ont existé. Il y a une adage qui dit qu'on parle toujours mal quand on n'a rien à dire ou quand on manque d'arguments. C'est le cas d'Ahmed. Je valide. Ahmed Sékou Traoré. Il n'est pas devant vous. Comment vous pouvez dire ça qu'il était... J'aurais bien voulu. C'est pourquoi moi, je me suis abstenu de poser de questions parce que je voyais que ça n'avait pas de sens. Oui, moi, je ne me suis même pas... Absolument. Je crois que c'est important. Vous pensez qu'il était sous la défensive? Non, il mélangeait tout. Moi, je ne comprenais rien. Est-ce que d'ailleurs, il sait pourquoi il est... ses prérogatives ou ce qui lui est dévolu en tant que président de la délégation spéciale. Voilà. Il gère les affaires courantes. Donc, il est de son devoir à un certain niveau. C'est vrai que lui-même, il n'est pas appelé à appréhender ou à mettre main sur ces jeunes-là, mais il y a une commune qui existe, qui a des services de sécurité, il peut être en connivence avec ces gens-là, les alerter tout au plus. Il est en rapport avec les structures compétentes aussi, mais dans la lutte contre la drogue. Absolument. Bien évidemment. Mais ce qu'il faut dire, la lutte contre la drogue, on ne peut pas dire que c'est l'apanage de différentes délégations spéciales ou de différentes communes, c'est une politique nationale qui devrait être mise en place, dont l'exécution concerne toutes les administrations, qu'elles soient locales ou nationales, en ce qui concerne, la lutte efficace de contre cette drogue qui est devenue un phénomène assez dangereux pour la jeunesse guinéenne. Oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à Ratoma, par exemple, puisqu'on parle de Ratoma, j'ai échangé avec un commandant d'une BAC qui me disait ici, est-ce que vous savez que nous avons des jeunes ici où nous n'osons pas y fréquenter? Je ne dirai pas son nom, c'est un ami, mais il me le dit. Il dit, quand je vais aller quelque part ici, je ne vais pas aller en tenue, je m'habille en civil pour pouvoir constater des juges ce qui se passe ici. On vous attaque. Un agent de sécurité qui a le des commandant armes de la qui BAC. A des... Ce n'est même pas un agent, c'est le commandant. C'est le commandant de la BAC qui ne peut pas aller, il a des zones à Conakry, il ne peut pas aller. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire comme ça. Et en ce moment, il y avait ces gangs-là, ces groupes de gangs-là qui s'entre-déchiraient du côté de Demodoula. À Kodoma aussi, il y avait ce qu'on appelle, l'effet de cela, puisque quelques jeunes aussi qui se considéraient comme étant les hors-la-loi, qui s'attaquaient en pleine journée aux passants dans le quartier. Donc, il y avait tout cela qui s'est passé. Je l'ai interpellé par rapport à ça. Il dit, écoutez, il y a un certain niveau, quand nous y passons, on s'attaque à nous, et puis finalement, on ne sait pas quoi faire. Donc, nous préférons s'abstenir parce que. Donc, c'est une démission. Et là, ce sont les dépositaires de la force publique. Incroyable. Et la gendarmerie, puisque c'est une unité mixte, gendarmerie, police, qui constitue les BAC. Donc, si c'est comme cela, ça sous-entend effectivement, il y a un problème qui se pose aujourd'hui, et c'est une évidence. À Ratoma, il y a des zones de non-droit où on ne fréquente pas. Si j'ai bien compris, la demande faite par le président de la délégation spéciale de Ratoma à l'endroit des journalistes de faire des descentes sur le terrain, je crois que c'est irrécevable alors. Non, lui, parce que si les agents ne peuvent pas aller sur le terrain, ce n'est pas nous qui allons nous sacrifier qu'il oublie, quand même. C'est qu'il oublie, nous lançons les alertes, oui, exactement. Nous sensibilisons, exactement. Nous attirons les attentions, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai l'impression que c'est comme s'il avait en face de lui un adversaire dans cette émission, oui. Et quand vous posez une question, il réplique, c'est comme si on était des adversaires, alors qu'en réalité, c'est une occasion qui lui est offerte. Exactement. Pour pouvoir dire effectivement qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Ouais. Alors qu'en réalité, on s'en rend compte, à l'évidence, rien n'est fait dans ce sens-là. Dommage quand même. C'est la comédie tout simplement. Qu'on arrive à Mohamed, j'aimerais quand même rajouter, parce qu'au-delà même des propos ou cet échange qui a eu lieu entre M. Traoré et nous, et j'aimerais parler quand même un peu de la drogue, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est devenu un problème de santé publique. C'est très important. Mmh. Et nous en parlons toujours, mais il n'y a pas de prise de contact majeur de la part des parents à la base. C'est important de le dire. Mmh. Ce phénomène qu'on appelle couche, dans sa composition, est une branche du cannabis. Et donc, que c'est venu de l'Afghanistan, et donc on appelle hindou couche, donc que c'est là-bas qu'on extrait cela jusqu'à ce que ça se retrouve avec les pays frontaliers, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça s'est déversé dans nos marchés. Mmh. Je le disais souvent, et parce que la sécurité intérieure est devenue très, très importante. Mmh. Si l'on ne fait pas attention, nous allons foutre en l'air la vie de nos jeunes. C'est très important.
Je disais la dernière fois que la Guinée, quelque part, est devenue un dépotoir d'étrangers. Parce que les gens rentrent comme ils veulent. Il n'y a pas de dépotoir en Guinée. Écoute, non. La drogue couche n'est pas fabriquée en Guinée. Oui. Mais quelle est la drogue qui est fabriquée en Guinée? Non, il n'y a pas de drogue. Donc, à la base, à la base, l'éducation avait un niveau très, très élevé sur le plan national en Guinée par rapport aux pays qui nous entourent. Limitrophes. La Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Donc, c'est tout ce que nous rencontrons aujourd'hui en tant que mauvais comportement ou quelque chose d'excès, le trafic d'enfants, les drogues couches, mais c'est les pays limitrophes là qui nous amènent ça. D'accord. Donc il faudrait que l'État puisse prendre quand même ses responsabilités, à ce niveau, gérer les frontières de manière très rigoureuse et contrôler les zones. C'est très très important. D'accord. Sinon ça ne peut ça pas aller. Être, ça va être compliqué. On va aller avec les juste une parenthèse. Il faut juste cela, par rapport à la consommation, à la vente, à la circulation de cette drogue qui dénommée couche, la couche. Lui, il vient de parler de la composition, peut-être disons chimique, de la couche. Mais aujourd'hui, l'effet que cela fait. Parce que si aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent quand même, parce que ce sont eux qui sont investis quand même de pouvoir, pour pouvoir facilement lutter contre cette drogue-là aujourd'hui, je crois que c'est simple. Il y a des autorités qui disent que cette drogue vient de la Sierra Leone. Donc ça veut dire que c'est un pays d'à côté, un pays limitrophe, un pays qui est juste là. Nous savons pertinemment que cela transite par le port de Boussoura, le département de certains ports de Conakry, notamment certains ports de Conakry. C'est là-bas souvent on fait des saisies. Il y a eu des descentes, il y a eu beaucoup de saisies dans ce sens-là. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire pour qu'on gagne en tant que Il faut quand même aujourd'hui saluer quand même les efforts des autorités dans ce sens-là, parce qu'il y a eu beaucoup de saisies du côté de Matam. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je crois que c'est ce qu'il faut multiplier. C'est aussi simple que ça. Ratoma, sûrement, ça quitte par là pour transiter vers les autres communes. Ce qu'il faut faire, c'est au moins un peu d'avoir un peu de stratégie par rapport à la circulation de la drogue. C'est parce que c'est vendu, c'est quand il y a circulation. Si ça ne circule pas, c'est difficile d'avoir accès. D'accord. Merci. J'espère que c'est tombé dans de bonnes oreilles, tant du côté des autorités que des parents, mais aussi des citoyens. Chacun devrait s'impliquer pour lutter mieux contre la consommation de la drogue, la commercialisation, la circulation de ces stupéfiants un peu partout. En Guinée, à Conakry, un salut particulier du côté de Forécaria à Pamelap. Nous connaissons très bien ce qui se passe dans ces localités dans la lutte contre la drogue. Quelques messages pour vous. Salam à vous, salam et salam à mes parents de Dalaba, Ditine, Djambouria, Djankama dans mon village natal. Le gouvernement est en train de camoufler l'accident survenu hier à Amdalaï. Il y a des morts dans cet accident. Prompt rétablissement aux blessés et paix à l'âme des victimes. Pour le moment, nous n'avons pas une information officielle qui nous dit qu'il y a eu des morts Mamadou Alpha Djambouria Diallo depuis Koloma. L'affaire de couche, l'État doit lutter contre cette drogue, mais l'État connaît très bien ce réseau car cette couche rentre par l'aéroport et au port de notre capitale. Toujours Mamadou Alpha Djambouria Diallo depuis Koloma. On va continuer avec d'autres messages toujours dans cette émission. Quelqu'un nous dit par là que c'est bonjour Kavi Media et bonjour chez moi Diguel. C'est dans Miti Dalaba, très déplorable cet accident survenu à Amdalaï. Une responsabilité est partagée entre les autorités et les conducteurs des engins. Une chose à devoir freiner pour ne pas vivre à nouveau des dégâts qui pourraient résulter de ces accidents de circulation mortelle. Pour terminer, un ministre nous avait dit que la population guinéenne ne paye pas l'électricité, sachant que même dans leur département respectif, eux-mêmes de ce côté s'en moquent de cette obligation civique. C'est cela aussi la Guinée. Des personnes censées être les premiers à respecter la loi se donnent la main, se donnent le malin, ce qu'il veut écrire, plaisir de boycotter cette même loi. Dommage, vous avez un invité qui esquive les vrais problèmes de la commune et qui se lance dans une option de communicant politique. Ce pays a du chemin à faire.
Wallahi, on n'est pas prêt dans ce pays. D'abord, un invité qui communique avec un ah bon, là, je ne peux pas le dire. Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti. Alpha Zidane, doucement, il faut faire attention par rapport à certaines communications. Bonjour Kavi, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Je suis d'accord avec monsieur le maire. Si vous critiquez, acceptez aussi d'être critiqué. Vous êtes des journalistes, déplacez-vous et partez sur le terrain, s'enquérir de la réalité et sensibiliser vous-même si possible, car ça fait partir aussi de votre rôle en tant que journaliste. Isiaga, message bien compris. J'espère que chacun va essayer de jouer son rôle pour ne pas qu'on se retrouve sur le terrain des autres. C'est très important. Vous êtes à l'écoute de Kavi Media. Autre élément important dans cette émission, une fois n'est pas coutume, l'entreprise en charge de distribution, de commercialisation de courant en Guinée est victime de l'administration publique guinéenne. Selon un rapport du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, l'administration publique doit à EDG 163 millions de dollars d'impayés. Et pourtant, lors d'une conférence de presse animée il y a quelques jours, Ousmane Gawal Diallo, le ministre porte-parole du gouvernement, s'est exprimé sur le problème d'électricité qui affecte depuis quelques mois la capitale Conakry et ses environs. Il affirme que 80% des consommateurs ne paient pas l'électricité, ce qui justifierait, selon lui, un pan du problème d'électricité dans le pays. Cependant, parmi ces consommateurs, l'administration publique détient la palme d'or de mauvais payeurs de factures dans notre pays. Alors, comment pouvez-vous comprendre cela? Nous avons suivi le ministre Ousmane Gawal Diallo, qui est le porte-parole du gouvernement, qui a attiré l'attention des uns et des autres par rapport au non-paiement des factures, que 80%, je ne sais pas, est-ce que cela est dû par, c'était un chiffre donné, un pourcentage donné, le taux a été donné par EDG, 80% des abonnés ne payent pas l'électricité. Et patatras, on se rend compte que l'État lui-même depuis, et ça il faut le préciser, que depuis 2020 jusqu'à au mois d'août de l'année dernière, c'est selon le rapport de FMI et de la Banque mondiale, depuis 2020 jusqu'au mois d'août 2023, l'État doit à l'électricité de Guinée 163 millions de dollars. Je n'ai pas dit 163 millions de francs guinéens. Hein? Oui, mais c'est 163 millions de dollars. C'est aussi clair. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui une chaîne. C'est que l'État doit à EDG, EDG doit à ses fournisseurs. La dernière fois, on le disait dans cette même édition, que EDG doit à près de plus d'un milliard de dollars à ses fournisseurs, ce qui fait peut-être en partie aujourd'hui qu'on n'a peut-être presque pas le courant. Et il faut le rappeler, EDG doit à Caleta, EDG doit à Tepawa, EDG doit à d'autres fournisseurs aujourd'hui. C'est que tout cela, si vous évaluez, ça va jusqu'à 1 milliard, 700 et quelques millions de dollars. Je vous précise aussi qu'il ne s'agit pas du franc guinéen, il s'agit du dollar américain, même pas canadien. Il faut le préciser. Ça, oui. Non, c'est juste, c'est dommage. Et je ne sais pas parce mais que. Mais ça peut quitter. Comment on peut consommer de l'électricité comme ça? Oui, est-ce que cela veut dire qu'on laisse les bureaux, le climatiseur fonctionner, les ampoules 24 heures sur 24, les projecteurs dans la cour du ministère, des directions à la présidence, et quand la facture vient, personne n'ose insister à ce qu'on paye ces factures? Non, mais la dernière fois, ou récemment, avec ces derniers cas d'incendie et autres, si vous écoutez un peu des professionnels à la matière, ils vous diront carrément qu'il y a excès dans l'utilisation de, c'est-à-dire des installations autres, là vous allez comprendre combien de fois que modérer la consommation n'est pas le fort du Guinéen, et surtout quand il s'agit du côté de l'administration, il faut oser le dire, parce que s'il s'agit par exemple d'un simple citoyen EDG, vous ne payez pas un mois, deux mois. Tout ce que EDG fait, c'est de vous couper. De vous débrancher directement de sur vous le débrancher, poteau. Mais cela est difficile quand il s'agit, par exemple, de l'administration. Mais encore que cela peut être difficile. Non, c'est parce que c'est comme ça EDG fonctionne. C'est parce que c'est comme ça quand il s'agit d'un individu, d'un citoyen, et puis EDG peut le faire. Pourquoi ces gens-là? Pourquoi l'administration que ça fait? Attendez, non, écoutez, vous voulez me dire par là. Non, mais je n'arrive pas à comprendre. Vous voulez me dire par là que si le ministère de la Défense doit à l'électricité de Guinée, l'électricien de DG ne peut pas monter sur le poteau. Je n'ai pas dit ne peut pas. J'ai dit que ne monte pas. Ah, d'accord. Ne peut pas et ne monte pas fondeux. Les mots sont innocents,
c'est nous qui les rendons coupables. Je tiens très, très bien à mon expression. Il faut le rappeler. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, oui, je vous parle de l'organisation de la société nationale EDG. Je vous parle de la façon de travailler de EDG. Oui. Je vous parle de la distribution de EDG. Je vous parle aujourd'hui de l'inégalité dans la fourniture quand même de courant électrique. Oui. Parce que au sein de cette administration-là, ce n'est pas comme dans votre maison, ce n'est pas comme dans ma maison. Là-bas, EDG est toujours, disons, en tout cas quand même, 80% ou 70%, elle est présente, oui, au sein de l'administration. Oui. Donc ça veut dire que 24 heures sur 24, presque, si vous ne pourrez peut-être qu'enlever 4 heures dans cela ou 5 heures de coupure de courant. Il y a le courant, c'est ce qui permet à l'administration de bien fonctionner. Oui. Parce que si c'était dans l'obscurité, ça allait aussi être un autre cas. Oui. Donc dire qu'il faut débrancher tout, mmh, peut-être éteindre tout pour rentrer, c'est un peu compliqué parce que je crois aussi qu'il y a d'autres personnes qui restent là. Oui, mais maintenant, ce n'est pas le problème. D'accord. Ça veut juste dire aujourd'hui que EDG est faible. Il faut le préciser parce que si vous ne pouvez pas tendre la main à la personne qui vous doit, donc ça veut dire que vous allez carrément perdre votre argent, votre dû. Et c'est ce qui malheureusement arrive. C'est une entreprise étatique, non? Donc c'est difficile. Donc non. Comment EDG peut s'imposer à son ministère, par exemple, au ministère de l'Économie, de payer la facture? Écoutez, si la machine n'est pas bien mise en place. Écoutez, c'est pas parce que votre papa est votre papa que la loi passe par lui que vous allez le laisser. Je ne vois pas. Vous êtes juge. D'où la nécessité de privatiser alors. Non, c'est ce que je dis. Évidemment, ouais, évidemment, j'allais en venir. Okay. Mais je suis juste dans ma logique, c'est-à-dire, vous êtes juge. Vous êtes juge. Vous dites que parce que la loi, c'est votre papa ou votre père, parce que ça peut être différent, qui est en conflit avec la loi directement, vous dites non, c'est parce que c'est mon papa ou c'est voilà, un parent, je ne peux pas le juger directement. Parce que lui, c'est un parent. Ouais. Je crois que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Si EDG veut se faire respecter, je crois qu'elle devrait commencer par l'administration. 163 millions, c'est trop. Ce qui n'est pas. Et c'est depuis 2020. Et chaque année, il y a plus d'un million de dollars engloutis par EDG. Vous voyez, maintenant, comment EDG peut parvenir à s'acquitter auprès de ses fournisseurs? Ça va être compliqué. C'est compliqué. Parce que la meilleure femme, la plus belle, ne peut donner que ce qu'elle a, de ce qu'elle possède. Oui. Donc aujourd'hui, EDG, tout ce qu'elle doit faire ou tout ce qu'elle peut faire, c'est vraiment de se faire respecter. Et par l'administration, ça devrait commencer là. Les 163 millions doivent être payés. Ça passe 163 millions de francs guinéens. Il faut mettre dollars. De dollars. Merci. US. Tu as bien répondu à la question parce que EDG ne peut pas quand même s'opposer au ministre, hein, à son département général quand même pour dire oui, je vais couper tel courant. C'est une faiblesse quand même, il faut le reconnaître. C'est une faiblesse. Oui. Si EDG ne peut pas taper sur la table, vraiment dans les ministères, c'est qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. Ouais. Il y a un grand problème parce qu'il y a eu cacophonie au sommet de l'État. Je le dis en connaissance de cause parce que dès au départ, nous avions vu le ministre, le porte-parole du gouvernement. Mm-hmm. Et il s'est fendu il a défendu quelque part EDG en disant que c'est les consommateurs lambda qui ne payaient pas. Non, il a dit 80% des consommateurs. 80%. Est-ce que dans ces 80%, est-ce qu'il fait allusion à l'État ou il tient compte juste du citoyen lambda? Mais ça, c'est le citoyen lambda parce qu'on n'a pas parlé ici de. Parce que ça, c'est différent. Il faut quand même dissocier. Hein. Il parlait du citoyen lambda, c'est ça la vérité. Donc, il a fallu le ministre même de la tutelle et pour dire devant le CNT qu'aucun ministère n'a payé les factures d'électricité à EDG. Donc, même celui, le porte-parole du gouvernement qui disait aux autres payer, même lui, son ministère n'a pas payé. Qui sait? Est-ce que son ministère est à jour par rapport à vraiment au paiement de sa facture? Donc, tu vois un peu. Donc, tu veux donner des leçons aux autres, mais même toi, ton ministère ne s'acquitte pas de ses factures. C'est ça. Il faut payer la facture. EDG, c'est vrai qu'on les accuse à tout moment, on les pointe du doigt parce que c'est eux qui distribuent l'électricité que nous recevons.
mais en notre tour de pouvoir payer, aller dans les quartiers, ceux qui ont de courant la journée, vous allez voir des ampoules allumées un peu partout. On parle de l'administration, c'est vrai, mais c'est un problème qui existe dans la cité, dans tous les quartiers, les ampoules sont allumées à 24 heures sur 24 s'il y a le courant, bien sûr. Voilà, et parce que le Guinéen réclame souvent l'électricité, donc nous devrions aussi être à mesure de payer nos factures. C'est important, parce que si nous ne payons pas, ils ne pourront pas nous fournir d'électricité. Ouais. Il le disait tantôt que EDG aussi doit à ses fournisseurs, et qu'à l'État, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous voulons tous le bonheur. Mais nul ne veut sacrifier, et se sacrifier pour ce bonheur. Cela ne peut pas aller. Le courant ne tombe pas du ciel. Il faudrait que les gens puissent payer de l'impôt. Il faudrait que les gens puissent payer les factures d'électricité. Cela va permettre quand même de nous donner de l'électricité. Mais c'est difficile aussi de... C'est pas pour vous couper la parole. C'est difficile de payer ce qu'on n'a pas consommé. Comment ça c'est? Mais écoute, c'est comme ça, ça se passe souvent, que je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur EDG, mais souvent, surtout avec cette période-là, vous pensez que les factures ne viennent pas, alors que les gens n'ont presque pas le courant. Je dis presque pas. Il y a le prix forfaitaire, il y a ce que vous devrez payer, que vous consommez ou pas, quand vous êtes abonné. Il y a ce que vous devez payer obligatoirement, même si vous n'avez pas le courant. Ça, c'est quelque chose aussi, un principe que vous ne devrez pas négliger. Yaya, par rapport à cette situation d'EDG, vous pensez que vous avez le courant maintenant, vous n'avez rien à dire par rapport à ce sujet? Non, c'est un problème national. L'électricité de Guinée, nous le savons tous, est un problème lui-même. Et qu'on nous dise effectivement, puisque ces rapports-là, c'est juste un rappel, depuis 2023, les gens avaient l'information, effectivement, ça se passait comme ça. Je vous rappelle, mais c'est assez dommage quand même que l'administration centrale soit elle-même responsable, parce que je suppose que si ça continue comme ça, nous nous acheminons tout droit vers la faillite même de l'EDG l'État ne prend pas sa responsabilité. Oui. On ne peut pas continuer comme ça, en dépit de tout ce que nous exigeons de cette entreprise. On s'en rend compte effectivement que l'État, et c'est comme ça qu'on a tué toutes les entreprises étatiques dans notre pays. Et Yaya, pour vous, en tout cas pour encore enchérir dans ce sens-là, il faut rappeler que Caleta, c'est en Guinée, mais ce n'est pas une propriété privée de l'État actuellement. Ça a été construit par les Chinois, c'est un BOT. On construit, on fait l'opération, on récupère ce qu'on a investi avant de faire le transfert. Donc, pour le moment, l'EDG doit à ses partenaires qui ont construit ce... Donc les Chinois, c'est important de le signaler. Le barrage, c'est construit en Guinée, mais ce n'est pas une propriété privée de l'État. C'est les Chinois qui ont construit leur investissement. Ils doivent encore profiter de ce qu'ils ont fait, investir dedans. Ils doivent récupérer, si c'est 500 ou 600 millions de dollars, je ne sais plus, mais... On a l'obligation, de faire entrer de l'argent. Sinon, s'il plie bagage, je sais pas, moi, je me demande qu'est-ce qui pourrait 580, arriver. Yaya. 580 millions. Environ 500 millions. EDG doit à Caleta. Ok. Yaya. Mais voyez-vous des contradictions au sommet de l'État? Le ministre porte-parole du gouvernement, dans son speech, rappelle que 80%, plus de 80% des citoyens doivent à l'État, à l'EDG, pour ainsi dire. Donc, ce qui fait que... Parce que finalement, il se pose la question, comment voulez-vous, si vous ne payez pas, que vous ayez de l'électricité? Donc, pour lui, la responsabilité, c'est au niveau de citoyen. Dieu faisant les choses, c'est le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures qui, devant les conseils communaux, dit effectivement, de janvier à ce mois de juillet, aucun département ministériel n'a payé sa facture. Y compris le ministre le département de porte-parole. Aucun ministère. Non, il faut préciser. Le département est-ce que le ministère même de l'énergie même l'a payé? Le ministre, le département de travaux publics, de transport, j'allais dire. Donc, si, c'est parce que là, même son département lui-même n'est pas exempté. C'est-à-dire que c'est lui de l'énergie. Ouais. Il dit tous les départements ministériels. Est-ce que la primature est en jour? Tout. Il te dit tout. C'est ça qui change aujourd'hui. Même le ministère de l'énergie. Donc, voyez-vous qu'il y a un problème qui s'est posé. C'est le comble. C'est absolument le comble. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le ministre de l'Énergie, quand même, a fait ce qu'on appelle un diagnostic sur l'EDG. Oui. Je crois que ça nécessite quand même l'attention au plus haut sommet de l'État pour pouvoir revoir tout cela. Il parle là d'un besoin, disons, des ressources humaines au niveau de l'EDG. Parce que pour lui, ceux qui sont au niveau de l'EDG aujourd'hui, c'est des gens dont l'expérience est là, mais qui ne peut plus adapter, disons, à la situation actuelle, donc à la modernité. Donc, il doit y avoir effectivement un changement à ce niveau-là. Il parle aussi, d'intérêt... Les gens qui semblent confondre l'intérêt de l'entreprise,
disons, à leurs intérêts personnels. Donc, ça, ce qui fait que quelquefois, ça peut empêcher à ce qu'un certain nombre de choses puissent bouger au niveau de l'EDG. Donc, ils en ont fait ce qu'on appelle une propriété privée, alors qu'en réalité, l'EDG, c'est pour toute la Guinée. Donc, ça pose problème à un certain niveau. Ouais. Donc, comment faire de telle sorte que l'EDG soit une entreprise fonctionnelle? Parce que, ce qui est plus loin dans le rapport, ce que la Banque mondiale et le FMI nous disent que nous avons un manque à gagner de plus d'1,5 million d'euros par an. Par an. Oui. Donc, ce qui fait que l'EDG constitue un gouffre financier pour l'État guinéen. Donc, un vide abyssal du point de vue financier, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème. Au lieu que l'EDG soit une solution, l'EDG est devenu un problème par le fait de la déliquescence de l'État. Parce que l'administration centrale, y compris les départements ministériels, et quand on parle de départements ministériels, il faut le préciser, le ministère, par exemple, des transports, c'est avec tous les services déconcentrés de l'intérieur du pays. C'est sur toute l'État du territoire national. Ouais. On ne parle pas que de Conakry. Quand on parle du ministère de l'énergie, de la santé, c'est tout ce qui va avec, c'est toute l'étendue du territoire national. Voyez-vous que c'est quand même abyssal. Et je crois que comme ça, on tue l'EDG et ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Heureusement que le ministre a eu le courage, parce que c'est un courage de sa part de dire cela. Eh bien, voilà, ce rapport aussi vient appuyer cela. Je crois qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et c'est de là qu'il s'agit. Est-ce que tu parles là, est-ce que EDG même n'est pas tué? Ma question, c'est exactement par rapport à... Est-ce qu'on crée toutes les conditions pour aujourd'hui, tuer moi, EDG? Aujourd'hui, moi, la question que je me pose... La question que je me pose... Il va finir. Merci. Oui, désolé, Yaya, pardon. Vous voyez, c'est... Il a toujours des choses à dire. Allez-y. C'est important. Je termine pour dire que... On veut bien, nous sommes à l'ère de la refondation, entre guillemets. Mm-hmm. On veut bien... Enlève les guillemets. Non, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, entre guillemets. Parce que la volonté quand même du président est là, il faut le signaler. Il veut bien faire les choses, ça, mais en réalité, il fait face à des goulots d'étranglement, ce qui fait que ça patauge quelque part. Mais ce qui est important, c'est que la volonté est là. Ce qui est pourquoi nous avons dit, il doit se reprendre, effectivement... Oui. Et voir dans la mesure du possible comment l'exemple puisse venir d'en haut et l'imitation d'en bas. Ça, oui. Voilà. D'accord. La question qu'on se pose aujourd'hui, comment EDG va, parviendra à quand même payer tout ce qu'elle doit aujourd'hui. L'État est toujours fort. Si c'est l'État qui doit EDG, mais l'État est fort. Il va encore de me tendre la main droite quelque part. On parle plus d'un milliard. Ça ne veut rien dire avec un État. Ça ne veut rien dire, mais comment aujourd'hui? Vous allez payer. Vous allez voir. Vous l'avez dit. C'était une précision. Je prends juste un exemple. On peut prendre juste dans... Tu as ton distributeur dimanche, Canal, quelque part, on va dire d'augmenter 4000 francs guinéens là-bas. Et puis voilà, c'est toi qui vas payer et l'État va récupérer. C'est nous qui allons payer, malheureusement. C'est que l'État doit à l'électricité de Guinée. C'est pas quelqu'un d'autre qui va payer. Hein. C'est le citoyen lambda qui va payer. Ce n'est pas le ministre qui va payer. Cela même sera payé. Donc ça c'est un point d'interrogation. Mais si 163 millions. Mais si ce n'est pas payé, c'est qu'il n'y aura jamais de transfert de compétences. Voilà ce qu'on pouvait retenir, ce qu'on peut retenir par rapport à ce sujet. On prend le dernier élément avant de clôturer cette émission. On le disait à l'entame qu'à compter de ce mois de juillet 2024, il seront 14 000 fonctionnaires à ne plus percevoir leur salaire à partir de fin juillet. Tous ceux qui ne feront pas la biométrie ne pourront pas obtenir leur salaire, a annoncé le ministre du Travail et de la Fonction publique, selon François Bourneau. Cette décision résulte de la volonté du gouvernement à rationaliser les dépenses publiques, mais aussi à jeter les bases pour une administration performante. À compter de ce mois de juillet, le paiement des salaires des agents de l'État sera fait sur la base des données FUGAS, c'est-à-dire fichier unique de gestion administrative et de la solde. À date, sur un effectif de plus de 117 000 fonctionnaires, un peu plus de 14 000 agents manquent à l'appel. Comment pouvez-vous constater cette situation, vous rendre compte que 14 000 personnes, c'est-à-dire 14 000 pères de famille ou mères de famille, ne pourront pas venir aux besoins de la famille à partir du mois d'août parce qu'ils n'auront pas de salaire, parce qu'ils n'ont pas été enregistrés biométriquement.
Comment vous pouvez comprendre cette situation et comment ils vont sortir de ce bourbier qui s'annonce? C'est aussi simple. Il faut partir s'enrôler. C'est simple. Il faut passer par la biométrie. S'il y a une possibilité, je crois bien qu'il y a une possibilité parce qu'on dit d'ici. Oui. Donc ça veut dire que de là, vous avez une possibilité d'être dans les normes pour ne pas être victime de ce qui va s'imposer en tant que... On a encore deux semaines. Comme étant mais vigueur, plus de 14 000, ou... c'est beaucoup. Oui, plus mais, de 14 000. Mais ce n'est pas aussi comme peut-être comme vous le pensez. Je crois que si le ministre a pris cette décision, c'est parce que peut-être en partie, il a pensé à la faisabilité de la décision ou soit à l'impact que pourrait avoir cette décision. Je crois que c'est important parce que l'État ne peut pas quand même continuer à payer des personnes qui ne sont pas dans les normes ou des personnes qui refuseraient. Parce qu'il y a cela, cette question de double casquette, de double fonction, tout et autre. C'est chez nous on voit toutes ces inventions-là. C'est chez nous on voit, c'est-à-dire ces malices, tout et autre-là, des personnes tellement intelligentes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un pied dans le privé et un autre au sein de l'administration et finalement c'est le privé qui gagne beaucoup parce qu'au sein de l'administration on dit non ben c'est l'État, même si je ne viens pas à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Il faut à un moment donné qu'on tape du poing sur la table et qu'on dise vraiment il faut que ça cesse. Je crois que c'est ce que le ministre est en train, heureusement, de faire aujourd'hui. Et cela, nous, on a besoin d'un impact quand même de cette décision-là. La question, c'est qui me taraude la tête, là, j'arrive à me demander, à poser cette question. Est-ce que ces 14 000 personnes qui ne pourraient ne pas avoir leur salaire à la fin de ce mois de juillet, est-ce qu'il y aura même 10% de ces 14 000 qui existeraient? C'est-à-dire qu'il y a de l'emploi fictif qui existe, il y a des cas de doublons qui peuvent exister aussi. C'est une il y a des cas qui ne sont plus en Guinée, qui sont partis à l'international, évidemment. Qui sont partis à l'étranger et qu'ils continuent à percevoir leur salaire. Ils sont à Paris, aux États-Unis, ils continuent à percevoir leur 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, je ne sais même plus. C'est toujours comme ça, vous avez des gens, c'est-à-dire qui ont double casquette. Il faut le dire. Triple, quintuple, sextuple. Comme ça, ils prennent des salaires un peu partout au ministère. C'est juste un exemple que je suis en train de donner. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Au ministère des Transports, au ministère des TP, au ministère de la Santé, ils sont partout. Ils sont au ministère de la Défense, ils sont au niveau... Au fait, ça a existé. Ça existe et il faut empêcher. Ça ne doit plus exister. Il faut empêcher que cela continue d'exister. Oui. Et c'est ce que le ministre aujourd'hui est en train de faire. Je crois que Mohamed, c'est une autre façon de procéder à un toilettage général quand même de l'administration côté salaire. Je crois que c'est très important. D'accord. Je pense que c'est très important qu'on arrive à faire le toilettage, qu'on arrive à nettoyer très bien les fichiers parce que ça me permet de savoir quel est le nombre exact des fonctionnaires. Ils sont combien à percevoir normalement, physiquement, leur salaire? Ce n'est pas ceux qui sont maintenant au Canada, aux États-Unis, au Japon, depuis plus de 5 ans, 10 ans, et continuent à percevoir ce salaire. Je pense que c'est quelque chose que l'État doit beaucoup plus renforcer. Évidemment, mais ce toilettage a fait son chemin. Parce que depuis l'ancien ministre... Ça fait longtemps quand même, on a commencé depuis le temps Alpha Condé, non? Le régime Alpha Condé qu'on parle de toilettage. Et jusqu'à présent, c'est sale. Il n'y a eu du sérieux que lorsque la transition est arrivée avec la direction de monsieur, comment on appelle, Tolno, je ne sais pas, celui qui est tombé là. Yombouno. Yombouno a fait a fait un travail formidable. Donc, si aujourd'hui l'actuel ministre quand même de la fonction publique et peut quand même sonner l'alerte en disant que si jamais les 14 000 fonctionnaires... Mais est-ce que la transition aussi, ils peuvent y arriver? Est-ce qu'ils vont atteindre? Parce mais que déjà, le travail a été fait au temps du régime d'Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi qu'ils vont faire, ils sont en train de faire du sérieux et que ça va aboutir à un fichier propre? Oui, moi je pense parce que avec ce chiffre quand même, tant d'alpha ça ne pouvait pas tomber comme ça et que vous avez parlé des doublons ainsi de suite, ça existe. Donc si déjà les gens se sont fait enregistrer et que le nombre a été drastiquement réduit et que ça reste les 14 000 et que dans les 14 000 d'autres avaient déjà 3, 4, 5 matricules, mais ils ne pourront voire pas venir 10, 20, oui, donc ils ne pourront pas venir
encore pour s'enregistrer. Donc c'est ce qui se passe. Donc le ministre sait pertinemment, les gens le savent pertinemment, qu'il y a des gens là-bas qui avaient le doublon, comme tu le disais, qui avaient 20, 30, 40, parce que Colin a cessé de dénoncer cela et dans les radios privées et ainsi de suite. Mais maintenant, si le toilettage est là, je pense bien, il ne faut pas être surpris que les deux semaines là ne sera pas de trop ou bien sera court, ainsi de suite, parce que le ministre sait pertinemment qu'ils ont fait un bon travail et le travail maintenant est en train de porter ses fruits. Et j'espère bien quand même que les 14, s'ils viennent, il n'y a pas de problème. S'ils ne viennent pas, quand même, il faudrait les 14 000, hein, plus de 14 000. Oui, parce que les gens en Guinée ne considèrent pas la fonction publique, mais ils la considèrent comme une vache à lait. Donc, ils préfèrent que leur salaire tombe dans leur compte et ils s'installent paisiblement en Europe avec d'autres boulots là-bas. Donc, ils disent qu'ils gagnent paisiblement leur vie. Et lorsqu'il s'agit des contrôles, ils débarquent encore pour se faire enregistrer. On a vu tout ça ici. Pendant ce temps, il y a des jeunes qui sont dans les qui n'ont pas réussi encore leur premier stage. Au même moment, les jeunes qui sont là, quémandent le travail, ils n'en ont pas. Et puis quand ils viennent encore, c'est pour dire j'étais là. Mmh. Et les autres sont en train maintenant de se transformer en taxi motard, cela. Oui. Voyez-vous, c'est l'informel qui a pris maintenant le droit en Guinée à travers les activités des jeunes. Parce qu'ils n'ont nulle part où se donner la tête. Donc si cela y est, je pense bien, c'est quand même à l'action quand même du ministre. C'est bien, mais il faut donner ça aux jeunes. Il faut donner aux jeunes. 14 000, plus de 14 000 personnes pourraient ne pas percevoir leur salaire. En tout cas, si ces 14 000 personnes sont réelles, sont vraiment en Guinée. Ce qu'il faut dire, c'est que ça serait l'un des projets les plus, disons, productifs. Ouais. C'est-à-dire la mise en place du FIGAS, le fichier unique de la gestion administrative et de la solde, que le CNRD a pu réaliser et disons pendant ces trois dernières années. Je crois que c'est important de le rappeler parce que on le savait effectivement que l'administration guinéenne était à peu près une poubelle où on avait presque tout le monde et par endroits c'était une administration. C'était un panier à crabes. Contre-productive, donc dont on avait effectivement besoin de faire ce qu'on appelle une épuration, tout au plus une décantation. Oh. La décantation, à mon avis, c'est ce qui se dégage là. D'accord. Donc, mais je ne sais pas si elle est bien même faite. Parce que je suis de ce qui pense que si elle était bien faite, on aurait dû assister à plus de 20 000 ou 30 000 comme ça d'effectifs au niveau de l'administration guinéenne. Mais peut-être que cela a été fait. Il ne reste que maintenant qu'on ne parle qu'un peu plus de 14 000. Cela veut dire qu'il y a eu un travail préalable qui avait été effectué afin d'arriver à ce résultat. C'est ce que je suis en train de vous dire comme ça. Mm-hmm. Je dis, c'est du bien. On verra effectivement ce qui va se passer. On connaît comment ça se passe dans notre pays ici. Ouais. Certainement, on aurait dû passer par plusieurs moyens pour pouvoir effectivement s'enrôler d'une manière ou d'une autre. Mais puisque c'est de la biométrie, on ne peut plus voler plus de deux fois ou peut-être s'est faufilé pour pouvoir s'enrôler deux fois, trois fois ou quatre fois. En tout cas, on a vu des Guinéens qui sont venus de l'étranger spécialement parce qu'ils devraient s'enrôler. Et puis venir pour ça, prendre leur billet, en s'enrôler et repartir. C'est incroyable. Ça, on l'a vécu. On a vu des parents, des connaissances qui ont fait ce travail quand même. C'est qui est grave. Si c'est au dire du ministre, si la mission ou l'objectif de la mise en place de ce fichier unique et de rationaliser, disons, la gestion administrative guinéenne et plus de maîtriser la masse salariale, parce que c'est là la première mission d'abord. Combien de fonctionnaires doit-on payer? Si on ne maîtrise pas cela, mais écoutez, ça devient un véritable trou financier. Ouais. Un trou. Ouais. On ne sait pas où trouver un trou sans fond. Ouais. Sans fond. Donc je crois que c'est important. Et plus loin, ça va permettre complètement de dématérialiser complètement la gestion de tout ce qui est gestion administrative, parce que c'est des paperasses ici et là. Et puis aussi, ça va permettre à l'État, dans l'ensemble, de pouvoir maîtriser cela. Mais je suis de ceux qui pensent que le ministre ou l'État, dans son emploi, parce que c'est un projet aussi dont le président tient effectivement à ce que ça soit une effectivité, parce que pour lui, ce qui pourra permettre effectivement de créer la transparence dans le cadre de la gestion de tout ce qu'il y a d'administration, je pense que le ministre doit aller plus loin. Il verra en face de lui ce qu'on appelle des obstacles ici et là, parce que ça touche à des intérêts des uns et des autres. Donc je crois qu'il doit pouvoir avoir le courage pour aller jusqu'au bout, parce que c'est pour l'intérêt général de la population guinéenne. Et c'est en cela qu'on peut effectivement évoluer et rendre l'administration plus efficace. Et ça, il faut préciser que ce n'est, quand on parle d'intérêt des personnes touchées, ça ne sera pas d'intérêt de petits fonctionnaires. Oui, hein. C'est l'intérêt des gros bonnets. Des gros bonnets, donc, des gros poissons. Les cartels dans l'administration. Ils sont là.
20 matricules, hein, d'autres en avaient incroyable, 30, 40. Incroyable. Hein, voilà, incroyable. Ça se passait. Et ils traitaient les autres maintenant de fainéants. Cette situation, si on vous l'a expliqué, vous avez dit que vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. Voilà. Donc c'est, on ne peut pas comprendre. C'est ça. Il faut c'est même ça. Pas c'est incompréhensible. Voilà. C'est une belle conclusion. Voilà. Merci bien. Je pense qu'on a passé d'excellents moments en votre compagnie, chers auditeurs et téléspectateurs de Kavi Media, où que vous soyez à Guinée ou ailleurs, en Afrique ou dans le monde. C'était votre émission de tous les jours, Le Scanner, qui vous parvient du lundi à vendredi de 9h à 10h30. C'est la fin. Bah, Mohamed, merci. Merci Mohamed Ba et merci à tout le monde. Dasoko, Fodie. Merci le PM, merci à tous les fidèles auditeurs. L'inspecteur gagne beaucoup. Yaya. Gracias, mon grand. Obrigado. Merci, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente suite de programme à notre compagnie. On espère vous retrouver très bientôt dans nos éditions d'information. Merci et ciao.